Ah, merci. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Ah ben non, c'est moi qui vous remercie de votre intérêt. Bon, la première ch chose est un peu les expectatives, la sensation d'être traduit en catalan et en espagnol. Ce n'est pas la Oh, première je... fois, mais oui. Non, c'est la cinquième, Oui. puisque j'ai des éditeurs très fidèles dans les deux langues. Et je suis ravie qu'à chaque fois paraissent simultanément mes textes en castillan et en catalan. Mais vous savez, être traduit, c'est un honneur. Je suis toujours très, très émue à l'idée que des lecteurs vont me lire dans une autre langue. Et en plus, je peux être en contact avec les traducteurs. Je sais que ce sont des bonnes, des traductrices en l'occurrence, et je sais que ce sont des bonnes traductions. Et, comment définirez-vous la transformation de la protagoniste pendant ce voyage au Japon? Une femme qui est blessée, peut-être pour la méconnaissance, non? Et qui passe de la colère à l'amour. Bon. Mais vous savez, je vais vous répondre en vous disant quel était le point de départ du texte. Je savais hein, qu'il s'agirait de l'histoire d'une transformation, d'une brève période dans la vie d'une femme et une période décisive dans laquelle elle se transformerait. Et je savais aussi que je voulais qu'il y ait beaucoup de fleurs dans le roman. Et d'une certaine façon, la métaphore est facile, mais elle est exacte. Rose, le personnage va s'ouvrir comme une fleur, elle va enfin éclore après 4 décennies pendant lesquelles elle est refermée sur elle-même. C'était la métaphore de départ. Et finalement, elle me semble à la fin juste aussi. En fait, Rose est le nom de la protagoniste, mais c'est aussi un nom de fleurs. De fleurs, et elle est botaniste, et il y a des histoires de fleurs partout, donc c'était vraiment une envie depuis très longtemps de rendre honneur au pouvoir des fleurs. Et puis, comme j'ai vécu au Japon, cet intérêt que j'ai toujours eu pour la nature, et pour les fleurs en particulier, a été encore plus renforcé, parce que vous le savez sans doute, les Japonais... Vous, aux arbres et aux fleurs, un véritable culte. Et ils sont... À Kyoto, il n'y a pas un mois de l'année sans floraison, sans qu'il y ait des arbres ou des arbustes ou des fleurs épanouies, même en hiver. Mais c'est un livre plein de contrastes à niveau des idées, même à niveau des fleurs, non? Parce que vous disiez, par exemple, avec les hommes qui traversaient sa vie, elle faisait l'amour avec une nonchalance qui pouvait être également tiédère ou ferveur. Non, tout est plein de cette dichotomie, non? Comme dans un zen, peut-être, je ne sais pas. Mais des souffrances et des plaisirs de la beauté, tout ça. J'aime beaucoup votre vision parce que d'abord, ce que je voulais, c'était capter le moment où on bascule, où dans une vie quelque chose bascule. Et souvent, la frontière entre le plaisir et la douleur, l'ombre et la lumière est très mince et il suffit de rien pour basculer. Et en même temps, on n'y arrive pas. Pendant très longtemps, c'est presque une tâche impossible. Et ensuite, j'aime beaucoup le peu que je sais de la vision zen de l'existence et en particulier de l'amour que le zen a pour les paradoxes. Puisque la vie est faite de paradoxes qui, comme vous le dites très justement, unissent souvent les contraires. Et ce qui importe, c'est de comprendre de quelle façon. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai inventé toutes ces petites paraboles qui précèdent chaque chapitre, que j'ai vraiment imaginées. Hein. Elles n'ont rien d'historique, du tout, mais j'ai essayé de le faire de cette façon. De façon qu'elle laisse à chaque fois ouverte la question paradoxale de l'existence où chacun doit tracer un chemin singulier. Je vais vous lire une toute petite chose. Vous disiez,
Elle se sentait assommée de beauté, de minéralité et de bois. Tout lui était torpère, tout lui était intense. Je ne peux pas revivre ça, se dit-elle avec un mélange de lassitude et de froid. Et en continuant, vous parlez de la sensation de Kyoto, non? Comme un pays d'enfance, non? C'est ça que je vous demande. L'importance de Kyoto, c'est évident, mais si vous pouvez m'exprimer un peu l'importance de Kyoto et l'importance aussi de comme un pays d'enfance. Oui, c'est une impression très forte que j'ai toujours au Japon, d'être à la fois face à une sagesse très ancienne, en tout cas dans cette partie-là de Kyoto, hein, tout le Japon. Le Japon est bien plus vaste que ça, mais quand je suis à Kyoto et que je fréquente ces lieux, j'ai l'impression d'une vieille sagesse, de quelque chose de très archaïque, très profondément sage, qui se transmet par les temples, les jardins zen, toute cette esthétique et cette spiritualité diffuse. Et en même temps, il y a quelque chose dont je ne connais pas la raison, mais qui résonne comme l'enfance, toujours au Japon. J'ai le sentiment qu'il y a une forme de candeur, d'innocence encore présente. Et cette rencontre entre les deux, entre l'ancienne sagesse et une forme d'innocence encore enfantine, produit ce charme puissant que j'aime tant là-bas. Et par contre, c'est une vision peut-être européenne de la protagoniste. Oui, absolument. Alors, je ne voulais vraiment pas prétendre avoir une vision japonaise. C'est pour ça que j'ai créé un personnage français, occidental, et qu'il ne s'agit que de ses impressions à elle. Elle ne prétend pas connaître le Japon, et moi non plus. En revanche, je peux témoigner de l'impression que ça a eu sur moi. Oui. Ça fait du livre un peu un voyage initiatique. Absolument. Des transformations. Absolument, c'est une forme de Japon intérieur, pas du tout un Japon réaliste, et en même temps, ce sont vraiment les impressions vécues au Japon que j'essaye de transcrire, mais qui s'intériorisent dans un personnage définitivement occidental. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, qui est, vous parliez avant de la structure du chapitre court, mais ce qui m'intéresse est comment la thématique vous a forcé à cette structure. Pas seulement à niveau de langue ou de structure, mais aussi de style, non? Un certain style qui est forcé pour la thématique. Oui, ben, c'est-à-dire que peut-être même ça se passe de façon inverse. C'est parce que j'ai une certaine intuition d'une architecture et d'un style particulier qu'un texte devient possible. Alors, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur l'expérience de Kyoto et ça a mis une dizaine d'années avant que j'y parvienne parce que j'ai senti que j'étais capable de ce style et de cette forme, ce qui n'était pas le cas avant, où j'avais besoin de plus de lyrisme, de générosité. Là, je sentais que je pouvais bâtir un texte avec des chapitres courts, des paraboles courtes, un style plus resserré, une poésie moins lyrique. Et c'est ça qui a permis que je puisse parler de l'expérience japonaise. Donc, ça s'est fait plutôt dans ce sens-là. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça se produit. C'est le désir et l'intuition d'une forme qui donne naissance au contenu. Surtout dans cette petite récit, oui. Ça c'est plus évident. Hein? Oui, oui, c'est le premier a surgi. Et là, j'ai compris que je tenais la bonne forme, enfin pour moi en tout cas. J'ai compris que je tenais une forme qui était que j'allais pouvoir dans laquelle j'allais pouvoir travailler la matière. Et bien sûr, la protagoniste est Rose, mais les secondaires sont aussi importants. Comment vous avez construit ces secondaires? Quelle importance ont dans les récits? Pourquoi ils sont utilisés comme écrivains?
Vous avez raison doublement. Au début, il n'y avait qu'elle. Et je pensais qu'elle se baladerait dans Kyoto, qu'elle ferait des rencontres, mais brèves, des rencontres de hasard dans la rue, dans une boutique, qui lui apprendraient quelque chose sur elle-même, mais qu'on suivrait un parcours solitaire dans la ville. Et puis, très vite, des personnages secondaires ont surgi. Et ils étaient pour moi si puissants que le récit a pris un autre chemin et qu'ils sont devenus aussi importants que Rose, le personnage principal, et l'autre personnage principal, qui est Kyoto. Et finalement, je n'ai fait que suivre la logique des rencontres. À partir du moment où un personnage surgissait, ça dessinait d'autres possibilités du récit, et finalement, celle de l'amour, in fine, mais pas seulement, puisqu'il y a pas mal d'interactions entre les personnages. Et nous avons le livre pour voir quel est l'esprit de Kyoto pour vous. Mais quel est cet esprit? Comment on peut résumer quel est Kyoto pour vous et quel a de spécial Kyoto? Un grand mystère. Et en même temps, je crois que si je prétendais autre chose, je mentirais. Pour moi, Kyoto, c'est à la fois la puissance de la beauté et le mystère. Ça ne se dissipe jamais. Ce que la ville provoque en moi de navigation intérieure, de bouleversement intérieur, reste un mystère. Mais finalement, c'est peut-être ça pour moi, Kyoto. C'est un lieu dans lequel je suis sans arrêt invitée à une intériorité bouleversante. Mais cette définition, ça me souvient un peu à quelque chose d'oriental. Je ne sais pas s'il y a quelques liaisons avec votre endroit de naissance du Maroc. Je crois que j'ai lu que c'était un peu par hasard, mais ça me sonne à cette... discours oriental, non? Des mystères, des confrontations de ce qui est très fort avec cette délicatesse. C'est très intéressant. Alors bon, il n'y a pas de lien avec... moi, je n'ai pas énormément de lien avec le Maroc parce que je n'y ai vécu que 2 mois et j'y ai passé des étés d'enfance. Mais enfin, c'est une terre d'enfance lointaine. Mais peut-être, mais vous avez raison, dans ce qui m'émeut à Kyoto, ce qui m'émeut à Kyoto, c'est exactement l'inverse du cartésianisme, de la rationalité occidentale, quelque chose qui ne dissipe pas le mystère, qui s'oppose, enfin, qui est un au-delà de la raison. Et oui, peut-être il y a ça dans la pensée orientale. Moi, je suis de l'île de Majorque et quand quelle je... chance. Je sais pas. Si, mais, c'est beau. Non, mais quand je peux lire quelque chose sur le Japon, j'ai fait des liaisons parce qu'il y a cette vision un peu tragique de la vie, mais en même temps, cette délicatesse, cette civilisation ancienne, ces primigénies. Vous avez raison, le point commun serait le raffinement et l'âge des civilisations concernées, c'est vrai. Je crois que vous avez déjà, parce que la publication de Russell, il y a un an peut-être. C'était en août dernier, oui. Ah d'accord. Et vous avez déjà publié notre livre, non? Après? Non, 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 non. Oh, ah d'accord, d'accord. Ah non, bon, ça s'accélère, mais quand même pas à ce point. Non. Parce que quelqu'un entretien, j'ai lu que vous avez publié, non, un livre illustré sur... Le petit livre avec les chats, oui, oui. Oui, c'est oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Ça a apparu à peu près ça a apparu en novembre en France, oui. En novembre. Oui, oui, 2 mois. Non, je finis. Comment vous avez passé cette pandémie? Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je vis à la campagne.
dans une maison avec un jardin, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis, je travaille à la maison d'habitude, et c'est un travail solitaire. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas souffert, j'ai beaucoup moins souffert que d'autres, je n'ai pas souffert de la pandémie. Maintenant, comme tout le monde, la raréfaction des relations amicales et sociales me pèse aussi, mais je suis très privilégiée. Que le métier d'écrivaine est déjà isolé, non? Déjà Et déjà confiné. confinée, oui, Absolument. absolument. Oui, par choix, parce que j'aime ça. Oui, Et une dernière ça question. va bien. J'ai introduit la question du Maroc. Vous gardez quelques liaisons avec le Maroc maintenant? Non, pas du tout. Non, j'aimerais beaucoup y retourner. Ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée. J'avais ce projet avec ma tante et ma cousine. J'aimerais beaucoup retourner à Rabat en particulier, où j'ai passé des étés d'enfance. Même si j'ai un peu peur que le paradis enfantin soit définitivement perdu. Ah, parce que vous passiez les Oui, l'été, oui, Arabes. en juillet, oui, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément l'Espagne, c'est que on allait en voiture, mes parents n'avaient pas du tout d'argent à l'époque, et on allait en voiture, on partait de Touraine et on traversait une partie de la France, puis toute l'Espagne pour aller jusqu'à Algeciras pour prendre Le le bateau, ferry, le ouais, jusqu'à Tanger. Ah. Et j'ai des souvenirs de la traversée de l'Espagne, très beau, très fort. Non, excusez-moi que je demande deux, trois fois ça. J'ai vécu 3 ans au Rabat. À Rabat. Ah. Je pense à Rabat tous les jours, presque tous les jours. Oui, moi je pense, je ne sais pas pour vous, mais j'ai une grande nostalgie des Oudayas, du café Ah, mort des désolé. Oudayas. Ouais. Ouais, tous les jours après la plage, on traversait la Médina et on allait aux Oudaya Tout à fait. prendre un thé à la menthe et manger une corne de gazelle. Ah là Ça, c'est ma promenade de tous les là. après-midi. Ah, Traverser la Médina. ouais, la rue des Consuls et. Oui. Non, moi, j'ai une nostalgie de que la vie paraissait plus facile là-bas. Hein? Les choses étaient un peu plus simples pour moi quand même. Oui, pour moi aussi. Et puis j'étais enfant, adolescente, c'était tellement beau, luxuriant, tout. La végétation, la mer, la nourriture, la gentillesse, la gentillesse. Ouais, l'incroyable gentillesse. Ouais. Un jour, je retournerai. En ce moment, les voyages, ce n'est pas vraiment possible. Oui, tout à fait. Bien, merci, hein. Merci. C'est tout C'est ce moi, que Cargès. je voulais vous demander. Et merci Mais. beaucoup pour Un votre. grand merci à vous, bon courage pour tout. Oui, Et profitez bien de Majorque, c'est beau, moi j'adore. merci. Bonne journée.